Bonjour ou rebonjour, c'est Lastangel. Alors nous sommes toujours sur l'épisode 3 de Dead Space en compagnie d'Isaac qui essaye de stabiliser l'orbite de l'Ishimura. Et pour mémoire, on vient de se procurer un trancheur, une nouvelle arme qu'on essayait d'avoir depuis un petit moment, mais faute d'argent, on pouvait pas l'avoir avant. Et quelque chose me dit que dans cet épisode, on va en avoir besoin. Alors, qu'est-ce qui nous attend par ici? Alors déjà, il n'y a rien à récupérer. Moi, je suis comme ça, hein. Tout ce que je peux récupérer, je récupère. Ah, bah tu vois, j'ai parlé trop vite. Voilà, un petit peu d'oxygène. Donc là, on a croisé pas mal dans cet épisode-là, donc dans la vidéo précédente. Donc à un moment donné, ça va nous servir. De la vie, ça c'est bien utile. Ici Temple, la centrifuge est arrêtée. Bon sang, on a un rocher de 4 milliards de tonnes collé au cul, et sans la centrifugeuse pour équilibrer, les rayons tracteurs vont nous faire tomber sur la colonie. Je vais me rendre là-bas, voir ce que je peux faire. Alors je vais profiter de cette vidéo pour vous parler d'un petit jeu. Normalement vous devriez voir une vidéo en bas à droite qui n'a rien à voir avec Dead Space mais qui est très sympathique. C'est un jeu indépendant qui s'appelle Giant Sisters Twisted Dreams. C'est un jeu de plateau vraiment sympa et si vous voulez en savoir plus dessus ou le découvrir, eh bien c'est dans la rubrique côté indé pour indépendant sur ma chaîne. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc ça, j'aurais pas dû le poser là parce que du coup il me gêne pour récupérer ce que je voulais. Parce que l'oxygène, on n'en a pas besoin pour l'instant, donc on va le laisser là. Les munitions, c'est quand même plus important. Et merde, j'ai utilisé la stase bêtement. Bah tant pis. C'est du gaspillage. Surtout la stase, en plus, ça coûte cher. Alors un petit peu d'argent. Ça va pas nous faire récupérer ce qu'on vient de perdre, mais bon, c'est ma faute. Je parle, et puis bah, des fois je fais n'importe quoi en parlant. Alors là, on va essayer de voir normalement, de mémoire, on devait avoir ça, deux points de force. Donc on va continuer à faire évoluer le cutter, parce que c'est quand même l'arme que j'utilise le plus. C'est aussi la plus précise, même si c'est pas la plus puissante. C'est chirurgical comme arme, j'aime bien. D'où son nom, cutter. Alors, donc, en général, quand il y a une console et qu'on appuie sur les boutons, il se passe pas grand-chose de bon. Bah voyons. Là, j'imagine qu'on va avoir de la visite. On va pouvoir tester le trancheur. Ouais, ouais, on les aperçoit derrière la grille. Bah oui, bah viendez. Viendez les gars. Je vois vous trancher. Ça se trouve, c'est vraiment pas efficace comme truc. Ça se trouve, c'est de la grosse merde. Mais non, non, je pense pas. Ça doit être bien ça. Alors, normalement, c'est plus dédié pour les gros monstres. Mais là, c'est pour tester un peu. Putain, ça fait une sacrée largeur de lame. Hein. Waouh. Il y a un tir secondaire normalement dessus aussi. Ah 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 ah, tiens, prends ça. Ah ouais, pas mal. Ouais, par contre, il n'y a pas beaucoup de munitions. Non, il va falloir le faire évoluer très vite. Voilà. Et puis le tir secondaire, vous avez vu, c'est la petite boule que j'avais jetée là-haut. Et elle pète pas tout de suite. Oh là, oh là, oh là, oh là, tu te détends, toi. Tu te détends. Voilà, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Voilà, c'est chirurgical, mais là je vise pas super bien. Voilà. Là. Allez. Putain. Ils sont plus costauds ceux-là que les autres, là. Ceux qui sont fringués comme ça. Là. Il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre, tout ça. Ah non, c'est de la permine ça. Ah putain, allez, allez, dans ce sens-là. Allez. Hop. Voilà, je vais me méfier parce que. Hop, vas-y, prends ça dans ta gueule. Voilà, ça c'est bon. Alors. Décontamination terminée. Bah voyons. Merci de votre compréhension. Bah de rien, je t'en prie. C'est moi qui ai fait tout le boulot, mais sinon. Décontamination terminée.
Alors, ouais, ça c'est des armes pour le, des munitions pour le trancheur. Et du coup, l'inventaire va devenir de plus en plus petit. Parce que maintenant on a trois armes où il faut stocker des munitions. Déjà qu'on était un peu à l'étroit, il va vraiment falloir que la combinaison suivante fasse son apparition parce que on a des sous, tiens, ça permettra d'arranger, d'acheter la combinaison plus tard. Un point de force, ça c'est bon aussi ça. Alors, voilà, c'était déchiqueté par ici, déchiqueté là-bas. C'est les bouts de bonhomme, ça. Ah merde, je peux pas le prendre. Ouais, la thune, on en a besoin, ça. Le semi-conducteur ça vaut du pognon alors. Merde. Donc qu'est-ce qu'on va larguer? Qu'est-ce qu'on va larguer? Non, la vie on va la garder. Ouais. Ouais, de toute façon il n'y en avait qu'une. Je vais pouvoir me passer d'une lame. Quoique. De l'oxygène, on va sauvegarder. Alors voilà, donc là c'est peut-être comme il y a de l'oxygène, on va peut-être aller dans l'espace là. Non, sortie zone sans gravité. Ouais, ça doit être ça. Ah non, entrée zone sans gravité. Ouais, c'est la fameuse centrifugeuse qu'il faut qu'on foute en route, ça. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des trucs là-dedans? Que dalle. Oh oh. Ah d'accord. Allez, hop, dégage. Hop. Ah, ils sont plus fragiles sans gravité, ceux-là. Enfin, tous les trucs en général. Déjà la dernière fois qu'on était dans un truc comme ça sans gravité, ils avaient morflé assez vite. Tiens, tu vas prendre ça dans ta gueule. Hop là, voilà. Ça c'est bien, c'est comme ça on gaspille pas de munitions. Et puis c'est autrement plus efficace. Dommage qu'il n'y en ait pas plus que ça. Tiens, une caisse. Merde, papier, je peux plus rien prendre. Alors, ça doit aller là-dedans. Par contre, voilà, c'est mieux. Allez, hop. Merde, je vais laisser plein de trucs derrière moi, j'aime pas ça. Quand on sait que on est souvent en rupture. Oh là, oh là, oh là. Allez, toi, vite, 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 dépêche-toi. Allez, hop. Ah, il tire vachement plus vite le cutter, c'est mieux. Ah, derrière, putain, cours. Allez, hop, 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 voilà. C'est bizarre parce que c'est juste la vitesse en fait que j'ai augmenté, le tir et la vitesse de rechargement, et j'ai l'impression qu'il est plus puissant. C'est bizarre. Non, mais ça doit être parce qu'on est en apesanteur. Alors, ça doit être là-haut, une console. Ouais, a priori. Allez, on peut pas se fixer là non plus. Ah, voilà. Alors. Hop, ça c'est bon. On va foutre ça en route. Il n'y a rien d'autre à récupérer là. Non, a priori. Centrifugeuse activée. Rétablissement de l'équilibre gravitationnel. Ok, d'accord, ben là maintenant il me faut de l'air. Ouais. Alors, j'ai dû en garder normalement. Oula, oula, je vais le prendre dans la gueule, ça. Ah oui, d'accord, je vois le.
Je vois ce genre. Beau travail, Isaac. Oh 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 oh. Dégage, toi. Sortez de là et concentrez-vous sur le moteur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore. Ah putain, mais avec la centrifugeuse, il va falloir faire vachement gaffe. Voilà. Oh, puis mon air, il commence à... Bah c'est bon. Ça va, tout se passe bien. On va attendre que le truc... Voilà, allez, maintenant, go. Voilà. Oh là là! Non, non, fais pas chier, toi. Prends ça, hop, voilà. Pousse-toi. Va te faire écraser, toi. Je préfère. Et hop, là. Bon, on est presque arrivé ou quoi, là? Allez, hop, go. Voilà, ça doit être ça. Voilà. C'est bon. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Oh, il y a... Non, il n'y a rien à droite. Non. Ça. Ok. Ça c'est bon. C'est bon, on aura quand même récupéré quelques lames de cutter. Hop, on va vider l'air. Parce que sinon je vais étouffer là. Allez, allez. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Ça on va le prendre aussi. Non, puis il n'y a pas de place. On va re-sauvegarder. Voilà. Bon bah pour l'instant ça va, on n'a pas été trop bousculé là. Alors. Temps, je m'avance peut-être un peu vite parce que... Oh putain! Oh putain! Ah bah tu m'étonnes! Ah putain, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Putain, faut tirer... Ça doit être... Ouais, faut tirer là-dedans. Putain... Ah, ça tire partout à côté. Ah c'est... Oh, putain, je suis mal. Non, avec cette arme-là, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, putain... Oh putain... Oh les cons. Oh les cons, tu m'étonnes qu'on a été tranquille depuis tout à l'heure. Ah putain. Tiens ça, ouais, je peux le récupérer. C'est bon, il s'est tiré le truc là, il n'y en a plus. Oh le con. Bon. Ah, c'est des sournois! Putain! Ah, je m'attendais pas à un truc comme ça. Bon, allez. Bon, là, ils vont pas. Ah, oh, putain, y en a un. Il s'est tiré, apparemment. Ah non, non, il s'est pas tiré. Il s'est pas tiré. Allez. Putain, voilà, il bouge pas, c'est bien mieux comme ça. Voilà. Ça c'est fait. Et hop, pour la route. Alors, je vais laisser ça tout à l'heure. Non, toujours pas le prendre. Ok, on avait récupéré un point, mais on va l'utiliser maintenant. Alors, là, ce coup-ci, on va peut-être plutôt faire la... Non, ça, je sais pas. Amélioration de la portée de 4 points. Ouais, module de stase. On va faire évoluer le module de stase, plutôt. Parce que depuis le temps que... On hésite à le faire... Il est temps de se pencher sur son cas, parce que c'est quand même vital la stase. C'est grâce à ça qu'on s'en sort le plus souvent. Alors. Isaac, tu me reçois? C'est Kendra. Ils m'ont suivi, je me suis enfuie. Amanda. Il a disparu. Kendra? Où êtes-vous? Heureuse que vous soyez en vie, Amanda. Je me suis réfugiée dans le centre informatique.
Je les entends rôder tout près, mais ils ne doivent pas savoir que je suis là. Je peux accéder à tout d'ici. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des rapports de la colonie. Avant même de briser la planète, les colons avaient déjà fait face à de nombreux cas de démence. Ça serait lié à un vestige qu'ils ont trouvé sur la planète. Ils parlent d'un monolithe. Je vais continuer. J'ai votre position, je vais débloquer l'accès aux réserves de fuel. Elles vous mèneront à la salle des moteurs. Voilà, bien bonne nouvelle. Kendra n'est pas morte. Ça fait bien plaisir. Parce que je la trouvais très sympathique, comme je l'avais souligné dans le premier épisode. Donc là, voyons voir si on peut faire un peu de place dans l'inventaire. Alors, le semi-conducteur, ça, ouais, ça va nous faire de l'argent. Voilà, il faudrait qu'on dégote encore un peu pour acheter un point de force. Qu'est-ce qu'on peut vendre qui nous ferait pas trop défaut? Les balles d'assaut. Non, bah non, ouais, les balles d'assaut. Quoi d'autre? Ouais, non, je vais rester sur les balles d'assaut. Voilà. De toute façon, ça, on en récupère en général pas mal. Donc là, hop, un point de force. Comme ça, on va pouvoir améliorer à nouveau la stase, peut-être. Parce que on se débrouille toujours pour avoir un point de force pour ouvrir des portes. Donc en fait, il y en a un qui nous sert pas pour les améliorations, en fait. Alors, donc, par là, on a remis la centrifugeuse en route. Ah, bah nous voilà dans l'espace, j'aime bien moi ces environnements-là. Allez, hop. Et j'aime bien le son à ce moment-là, je l'avais déjà dit, mais c'est vrai que je trouve que c'est bien fait. L'arme de l'air, ça va nous servir, puisqu'apparemment... Entrée zone sans gravité. On va quand même avoir des zones comme ça, c'est déjà la deuxième. Est-ce qu'il y a des trucs qui traînent en bas? Non, malheureusement. Ah, quoique là. Non. Alors... Si, un truc là. Voilà. Hop. C'est bien foutu le déplacement, j'aime bien. Par contre, on perd vite le sens d'orientation, mais... Allez. Oh, 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 oh. Putain, dégage. Dégage, on va manquer d'air, de toute façon. On va recharger l'air. Puis on va y retourner. Parce que j'ai pas eu le temps de regarder s'il y avait quelque chose de ce côté-là. Alors est-ce qu'on a prendre de la stade? Il m'en restait un peu. Voilà, il y a des trucs à récupérer. Donc on va se faire cet abruti. Ah, ils sont deux. Je sais pas si j'ai bien fait de revenir finalement. Allez, 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 crève, putain, crève! Allez, toi pareil. Bouge pas. Voilà, comme ça, bouge pas, c'est bien. Allez, monte ton bras. Allez, monte-moi ton bras, putain. Ah, il veut pas m'aider, hein, il veut pas m'aider. Allez, tu mangeras plus tard. Allez, voilà, ça c'est fait. On va aller chercher de l'air, là, parce que... Ouais, je commence à être limite. Allez, comme ça évite d'user les bouteilles d'oxygène. Et on va aller chercher notre butin. Ou notre loot, comme vous préférez. Donc, moi je préfère le butin. Je trouve que c'est plus cool. C'est joli quand même. Il y a une belle vue. Alors ça c'est fait. Ça c'est fait. Voilà. Ah merde, je peux pas le prendre. Bah c'est pas grave, c'est de l'oxygène à la limite. On va observer un petit peu la vue, puis bah, je vous propose, là ça doit faire une vingtaine de minutes qu'on est ensemble. On va essayer de respecter à peu près le timing. On se regarde vite fait le petit panoramique. Je vais aller jusqu'au SAS. Là il reste encore un truc. Et puis on va se quitter là, jusqu'à la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé, bah, likez. Si vous avez des coms, n'hésitez pas à lâcher vos coms.